Bonjour, bah écoutez, vous êtes dans mon atelier, dans mon antre. C'est là que je passe à peu près les 9 dixièmes de mon temps de ma journée. Et puis c'est là où j'ai du plaisir à travailler et puis surtout même à vivre tout court, puisque c'est ma grande motivation, c'est de dessiner et puis que c'est ici que ça se passe. Alors je suis entouré de bouquins, j'ai installé tout un tas de bouquins autour pour jamais oublier le métier que je fais. Avec quelques originaux ici de gens que j'aime bien. Qui me rappelle qu'il y a quand même des grands maîtres et puis que j'ai encore sacrément du boulot à faire pour les rejoindre. L'ordinateur indispensable parce que pour la documentation, pour le plaisir et tout le reste. Voilà, donc et ma table à dessin évidemment, sans laquelle je ne serais pas là. Il y a quelques années, à Paris, j'ai acheté pas mal d'originaux dans les galeries. C'était pas encore trop cher et puis on peut trouver des petites merveilles. Notamment cette page Jacovitti que j'ai achetée il y a une dizaine d'années et qui date de 69. Et qui est, donc Jacovitti est un grand dessinateur italien qui est décédé maintenant et qui savait allier la bêtise et la lisibilité. Et quand j'étais enfant et adolescent surtout, c'est vraiment un univers qui me fascinait. J'adore la bêtise dans le dessin, je trouve c'est plus intéressant que l'intelligence. Et j'ai gardé de Jacovitti la bêtise, quoi, voilà. Le talent, je ne sais pas, j'espère un jour, mais peut-être pas encore pour cette vie. Et puis, il y a d'autres dessinateurs aussi qui m'accompagnent dans cette pièce, notamment Tranchant, qui signe Pika maintenant, qui dessine les profs, hein, et qui m'avait fait des dessins pour moi, je crois que c'était pour un anniversaire, je crois. Alors, il y a un autre dessinateur que j'aime beaucoup, qui est encore plus jeune, qui s'appelle Stedo, qui m'avait offert cette page il y a quelques années. Et Stedo dessine les pompiers, notamment aux éditions Bambou. Et depuis, je suis rentré aux éditions Bambou. Donc ça a été mon étrier pour rentrer pour faire le travail que je fais maintenant aux éditions Bambou. Alors si la plupart des originaux sont dans cette pièce, l'immense majorité est dans les cartons et à l'étage dans la maison. Alors dedans, j'ai réussi à glaner des originaux de Loisel, de Chéret, de Drouillet, de pas mal de grands auteurs comme ça, dont la plupart m'ont offert d'ailleurs. Et puis des copains tourangeaux aussi, comme Étienne Leroux, comme d'autres. Donc c'est dès que j'ai un peu le temps, je remonte dans les cartons et je retrouve la bonne odeur du papier et ça me motive pour revenir ici, pour redescendre ici pour travailler. Alors pour faire une page de BD, il y a pas mal d'étapes. La première, elle commence pas dans ce bureau-là, elle commence dans le bureau du scénariste, en l'occurrence Gilco, Eroc, son nom d'artiste, qui me prépare une page de scénario crayonné rapidement et qui m'envoie. À partir de ce moment-là, moi je la lis déjà,
je m'amuse aussi à la lire. Et je commence à faire plein de crayonnés. Et je fais des pages assez succinctes, comme ça, des mises en page à peu près de ce que je veux faire. Et que je scanne évidemment et que je lui envoie. À ce moment-là, si on est d'accord, après, il faut passer à l'étape au propre, quoi. L'étape la plus importante, entre guillemets. Et donc, qui est de travailler sur une page de BD du même format avec, dans lequel je travaillais j'ai fait les crayonnés pour pas me perdre. Et là, je travaille précisément. Une page, ça peut me prendre 3 jours. Alors, je reprends les crayonnés là sur le papier au crayon avec plus de précision. Et puis après, je passe à l'ancrage. Alors, au pinceau, au rotring pour les détails, au cutter pour corriger, pour gratter. Je gratte beaucoup. Et puis, dès que la page, je sens qu'elle est à peu près finie, ou alors dès que je commence vraiment à en avoir marre, je vais la scanner. Alors, je la scanne chez un ami, Arnaud Toulon en l'occurrence, et qui me prête ensuite sa Cintiq, qui est un appareil, un ordinateur, sur lequel une tablette graphique, pardon, sur laquelle on peut dessiner. Et là, je retravaille en détail la page pour la nettoyer. Et après, elle part directement chez l'éditeur, à la couleur et à l'impression.